Achtung, das Video, das folgen wird, ist nicht geeignet für Kinder, die durch das, was sie folgen werden, traumatisiert werden wollen. Ihm das Video zu verlassen, wenn sie weniger als 13 sind und die eine zerbrechliche Geste Attention, sind, la vidéo qui va suivre ne convient pas aux enfants qui seront traumatisés par ce qu'il va suivre. Veuillez quitter la vidéo si vous avez moins de 13 ans et qui sont un esprit fragile, car cela pourrait avoir peur. Et cette vidéo est tournée dans des heures tardives. Donc attention au délire qu'un lycanthrope pourrait avoir. Bonne vidéo. Et qu'importe avec qui je suis d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion que moi. Allez, Sayuri! Ah putain! Ah, j'ai trop envie de faire le choix. Vas-y. Choisis quoi toi? Attends, plouf. Attends, j'ai pas fait plouf. Ah, t'as cligné des yeux. J'ai flippé toi. Attends, je vais réfléchir. En vrai, je donnerais bien raison à Yuri. Après, je dirais plutôt. En vrai? Voilà, je dis plutôt que je donnerais raison à Yuri, mais là, je dirais plutôt. En vrai, s'il m'arrive ça, putain, je dirais à l'aide! Natsuki me lance un regard qui m'empêche littéralement de parler. Donc à la place, je me détourne vers Yuri. Yuri! Maintenant, Yuri paraît si vénérable que je ne peux rien lui dire. Sayuri! Hein? Oui! Le fait que vous vous disputez, mais Sayuri mal à l'aise. Comment vous pouvez continuer de vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Ça me soigne. Bien, c'est son problème à elle, ça ne me concerne pas. Je suis d'accord. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayuri ne veuille dire à Yuri quel snob abruti qu'elle fait. Elle ne dira jamais. C'est son immaturité qui la contrarie tout d'abord. Pardon ? Si tu t'écoutais parler, c'est exactement pour ça que personne ne... Arrêtez. Natsuki et Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques. Et si je les aime, parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables, car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Les poèmes de Yuri sont incroyables, parce qu'ils dessinent le splendide illustration de nos têtes. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous battons-nous? C'est parce que... Eh bien... Et puis aussi, Natsuki est adorable, il n'y a pas de mal à ça. La poitrine de Yuri est toujours restée la même. Arrêtez de parler de ça! Voluptueuse et superbe. Contrairement à toi, planche à pain. Sayori. Sayori, c'est un hibou errant. Monika se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. Natsuki demi est assis en regardant dans le vide. Alors, c'est pour ça que Sayori est la vice-présidente. Fait oui de la tête en répondant. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer en tant que présidente, ça me gêne un peu. Non, ce n'est pas comme si tu étais pas comme si j'étais en position de te blâmer. Je n'ai rien pu dire moi non plus. Eh bien, je suppose que ça veut juste dire que Sayuri est incroyable à sa façon, pas vrai? Oui, on peut dire ça.
elle a beau être un peu bête, mais elle est étonnante forte pour ça, quand elle s'y met. Je vois. Inquiète, t'as bien d'elle, on a entendu. Je détesterais la voir être blessée. On est d'accord sur ces points. Je peux compter sur toi. Monica me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Oh, j'ai des papillons. Une personne si sincère fait vraiment une bonne présidente. Peu importe ce qu'elle dit. Seulement, je peux lui parler un peu plus. C'est vrai, ça. Bien, tout le monde. Ça va être l'heure de partir. Qu'est-ce que vous pensez du partage du poème? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça valut le coup. Ça valut le coup. Wesh, c'était pas mal, enfin, pour la plupart. Et Samus Wolf, et toi? Ouais, j'ai pensé la même chose. C'est bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être avez-vous aussi appris sur vos amis. Dans vos poèmes, nous n'en serons que meilleurs amis. Que meilleurs. Je réfléchis. J'en ai appris un peu plus sur les goûts de chacun en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire mieux impressionner ce que je veux. S'acquise mentalement, révigoré par une détermination nouvelle. Samus Wolf, on rentre? Oui, allons-y. Thierry me fait un grand sourire. Thierry et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça ne veut pas dire que je n'amuse pas. Sayuri, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi parlais-tu? De quoi? Eh bien, concernant Yuri Natsuki, ce genre de choses arrive souvent. Non. C'est vraiment parfois que je les vois se disputer ainsi. Mais promets qu'elles sont toutes les deux merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Fiu. Tu sais, Samus, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans ce club. Mais je pense que c'est de te voir de devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi, c'est vrai? Hé. Chaque journée va être plus amusante. Ah! Je dirais que Sayuri n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Oui, être ami avec les filles est une bonne chose, mais est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? Je veux juste savoir ce que l'avenir nous réserve, Sayuri. Je donne une tape sur l'épaule à Sayuri. Je dis ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayuri pour convaincre la même parfois. Oui. Ouais. Faisons ça. Tristesse. Merde. Soutien. Contamination. Destin. Pression. Radieux. Blessé. Merde. Ah, pas merde, malheur. Angoisse. Douleur. Ensemble, chanté, maigre, suicide. Promesse. Effrayant. L'image rémanente. Ami. Vol incroyable, désorienté. Maillot. Brisé. Immodéré, larme ambiant, répand, existant, vif, profond, fini. Confusion. Multifolé, passion, les mépriser. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je ne suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut Samus. Hey, yo Sayuri. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Je ne suis pas toujours pas habitué,
à ce que tu sois dans le club. C'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi, de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi à citer un grignoter? Non, merci. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Pourquoi tout à coup Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Sayori trouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle le retourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse dans le but sur le bureau. Seulement deux petites pièces sont tombées. Je le savais! Tu peux voir clair dans ton jeu, Sayori. Ce n'est pas juste.